dans les moments délicats de crise sociétale comme la situation éprouvée dans ce contexte, le serviteur de l'État doit se montrer souple et ferme. Cette conception participe de ma pratique de flexibilité raisonnable. Mesdames, Messieurs, voilà que l'annonce des résultats des joutes électorales du 25 octobre 2015 nous a conduit dans une impasse politico-électorale. Ces dernières semaines furent lourdes de tensions, d'émotions, d'expressions verbales souvent exagérées. L'arrêté présidentiel du 16 décembre 2015 relatif à la formation d'une commission d'évaluation électorale nommant les citoyens Patrick Harris, Monseigneur de l'Église catholique, Joseph-Emmanuel Charlemagne, chanteur engagé, ancien maire de Port-au-Prince, Monsieur Ronnie Desroches, éducateur, ancien ministre de l'Éducation nationale, figure de proue de la société civile, Madame Evonie Georges-Auguste, militante politique, fonctionnaire public et personnalité remarquable de la Confédération nationale du Vaudou haïtien KNVA, Monsieur Anthony Pascal, connu le sobriquet de Compère Philo. Cette commission a suscité, suite à sa nomination, de multiples réactions qui nous a conduit à de nouvelles et intenses consultations. Ce qui témoigne du choix du gouvernement dont j'ai l'honneur de diriger, de se placer au-dessus des clivages pour se mettre à l'écoute des différentes sensibilités du pays. Le nouvel arrêté présidentiel du 22 décembre 2015, portant modification de celui du 16 décembre écoulé, constitue à nouveau un effort de dépassement de l'administration Martelly-Paul conforme à la ligne politique du vivre ensemble que je défends depuis de nombreuses années, privilégiant la voie du compromis et du consensus politique. Je crois que la parole a été donnée à l'homme pour communiquer avec ses semblables afin d'harmoniser les points de vue nécessaires pour vivre en paix dans la concorde et la communauté d'intérêts. On peut certes avoir des différences, disons mieux, on ne saurait vivre sans différence. Tout est dans la définition, dans l'application et dans l'observance des règles qui conditionnent ces différences. Je voudrais adresser en la circonstance quelques commentaires au sujet de deux de nos compatriotes qui se passent de présentation. Il s'agit de Mano Charlemagne et de Compère Philo, connus pour leur engagement dans les luttes difficiles pour l'établissement de la démocratie dans notre pays. Mano avec sa guitare et Compère Philo avec son micro et dans des spectacles de théâtre, les deux se sont toujours montrés dignes
dans leur cheminement patriotique et démocratique dans notre pays. C'est avec un esprit de désintéressement qu'ils avaient accepté d'intégrer la commission. Et c'est aussi avec ce même esprit qu'ils se sont décidés de se retirer de cette commission afin de faciliter l'inclusion d'autres personnalités venant de secteurs proposés par les deux candidats à la présidence qualifiés pour la tenue du second tour du scrutin, à savoir M. Jules Célestin et M. Jovenel Moïse. En plus des souffrances endurées par les citoyens Joseph-Emmanuel Charlemagne et Anthony Pascal Compé-Philo pour la jouissance de la liberté d'expression, de manifestation, d'association et de réunion dans notre société, l'histoire retiendra la flexibilité dont ils ont fait montre en vue de faciliter une issue raisonnable à l'impasse politico-électorale dans laquelle se trouve notre pays actuellement. Qu'ils en soient remerciés et honorés par la République. Faut-il présenter les cinq personnalités composant la commission d'évaluation électorale indépendante nommée par l'arrêté présidentiel du 22 décembre 2015. Premièrement, M. Ronnie Desroches, éducateur, ancien ministre de l'Éducation nationale, figure de proue de la société civile. Deuxièmement, Mgr Patrick Harris, personnalité ecclésiastique de l'Église catholique, cadre de haut rang de la conférence épiscopale, impliqué dans l'engagement social de l'Église en faveur des pauvres, des démunis et des exclus, il est une autorité morale et religieuse qui a su épouser les valeurs humanistes des droits de l'homme et les principes caritatifs de la solidarité. Troisièmement, Madame Evonie Georges Auguste, militante politique connue et personnalité remarquable de la hiérarchie de la Confédération nationale du Vaudou haïtien, KNVA. Quatrièmement, ingénieur Armand Louis, évangéliste, membre de l'Union des Églises Baptistes d'Haïti de la Fédération des Églises Protestantes. Cinquièmement, Maître Gédéon Jean, juriste, personnalité engagée dans la défense des droits humains. C'est un fait que l'État a besoin de ses acteurs pour son bon fonctionnement. L'État qui est au-dessus du gouvernement et des intérêts particuliers. Je profite pour les exprimer les sentiments du respect du président de la République, Son Excellence Michel-Joseph Martelly, du gouvernement de la République et de mon humble personne comme Premier ministre. Le gouvernement de la République garantit toute l'indépendance de cette commission dans l'accomplissement de sa tâche morale et patriotique destinée à faire jaillir toute la vérité nécessaire à la crédibilité du processus électoral. Le développement, le mieux-être des populations ne peuvent s'effectuer qu'à partir de la stabilité et de la paix sociale. Les turbulences sociopolitiques sont génératrices de la décadence et du déclin des pouvoirs et des institutions. Ceci dit, quels que soient les antagonismes
irréconciliables qui peuvent nous diviser, nous sommes unis par un destin commun, celui de la stabilité politique nécessaire à la prospérité d'Haïti. Les dates du 11 janvier et du 7 février 2016 constituent, à mon avis, des références constitutionnelles fondamentales à prendre en compte. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission indépendante d'évaluation électorale, comme dit l'arrêté, vous avez jusqu'au 30 décembre prochain pour produire votre rapport. En vous donnant l'investiture, je m'abstiendrai de vous donner des consignes. Vous avez l'opportunité d'user de votre libre arbitre, de votre compréhension de la question. Car un pays ne se construit pas à travers les divisions et les luttes politiques fratricides. Un pays se construit dans la paix, l'entente, le compromis historique entre les forces rivales qui doivent finir par comprendre l'impératif de baisser les armes et de s'asseoir autour d'une table pour négocier les différences et trouver un terrain d'entente. Sans la stabilité politique, nous ne pouvons jamais sortir ce pays de ce marasme économique qui perdure depuis des décennies. L'opinion nationale et internationale observe. Nous avons tous la responsabilité de préserver l'image et l'avenir d'Haïti. Ainsi, j'ai le plaisir de souhaiter bonne chance aux distingués membres de la Commission. L'exécutif n'a pas formé une commission. L'exécutif a donné des suites administratives à la formation par consensus de cette commission. Ce n'est pas une commission de l'exécutif. Les procédures administratives obligent que la légitimité politique de cette commission vienne du président de la République. Je voudrais absolument faire ce point pour que tout le monde maîtrise les efforts qui sont faits à travers d'intenses discussions avec des acteurs directement concernés et d'autres acteurs qui ne sont pas directement concernés, mais qui fassent partie de la société. C'est ce qui explique la présence de ces 5 citoyens, hommes et femmes, qui sont là uniquement pour servir la cause de leur pays. J'espère qu'ils seront à la hauteur de cette tâche difficile et combien importante pour la survie de la démocratie en Haïti. Bonne chance, mesdames et messieurs.